Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est les vlogs de Linda. Petit tour à Action de Saint-Denis dans le 93. Avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos retours au sujet des produits de chez Action. Notamment mon abonné qui m'a envoyé ce matin, c'était hier soir je pense, elle m'a parlé des poêles en céramique, revêtements céramiques, ceux-là de la marque Alpina. Elle m'a dit qu'elle les a achetés et franchement, elle est très satisfaite. Il y a plusieurs tailles, Poêle Alpina 24 cm, bret vêtements céramique 7,99€. On a aussi 28 cm 9,95€. 16 cm, hein, le petit format 3,99€. Et ils sont colorés à l'extérieur. Le Steelwok 28 cm, là c'est blanc et là c'est coloré. 28 cm c'est 15,95€. Voilà, je vous montre derrière. C'est tout feu et ça passe au lave-vaisselle. Elle est pas belle la vie. Ça, c'est de retour aussi. Tom Doral. C'est un retour, hein, les filles, ça. Attendez. Vous me connaissez maintenant. Hein. Donc, c'est induction. Ça fait induction. Et ça passe sous la vaisselle aussi. C'est carré. 27 cm. 10,95. Donc, ça passe sous la vaisselle. C'est une poêle antidérapante. Notamment pour faire revenir de la viande. Mais je préfère, donc la poêle carrée, vous souvenez la poêle carrée de la marque Marblestone? Et bien si ça revient, là pour l'instant, elle est en rupture de stock. Quand je voulais l'acheter, elle est en rupture de stock. C'est toujours comme ça avec moi. Donc là, dès que ça revient, je vais la prendre. Pour la viande et tout. Sinon, les poêles, on a ça aussi. Celle-ci, je suis vraiment très satisfaite. Hein. Rien à dire. Au lieu de sortir la grande poêle pour un œuf, ça je vous recommande celle-ci. Même pour les petites, vous pouvez mettre un peu d'huile d'olive, des tomates concassées, coupées en morceaux, de l'ail. Vous faites revenir avec de l'huile d'olive, un peu de sel, poivre. Vous faites revenir un petit peu, après vous rajoutez des œufs. Vous cassez des œufs par-dessus. Ça vous fait un truc sympa et trop bon. Vous mettez un peu de sel, bien sûr. 5,95, elle fait 16 cm. Je vous la recommande, celle-ci, elle est très bien. Tiens, un truc que j'ai déjà acheté l'année dernière. À 6,95€, on a cette passoire extensible en inox avec les poignées en caoutchouc. Elle fait 36,5 par 27 à 6,95€. Allez, de retour les filles. Donc c'est extensible, vous la posez sur votre évier et vous pouvez ajuster au cas de besoin, plus ou petit, c'est comme vous voulez. Ça dépend de votre évier et vous mettez ça au milieu, vous pouvez vous laver vos légumes, vos fruits, etc. Franchement, ça c'est pépite. Moi j'ai pas regretté mon achat. Il y a ça aussi, des petites coupelles en coloré à l'intérieur et blanc à l'extérieur. C'est du métal, c'est 10 cm, 1,59€. Et c'est coloré en fait, c'est bien pour les petites. Je trouve ça chouette moi, pour l'apéro. Voilà. Pour l'instant, je l'ai vu que ici à Saint-Denis. Les thermos sont dispo aussi, on a rouge, bleu, gris, comme ça en inox et au noir. C'est une grande, c'est un grand thermos qui fait 1,900 litres, 8,95 et elle fait 36 cm de hauteur. On a aussi la cafetière à l'italienne pour un bon café, 7,49€. Il y a aussi, regardez, ils viennent de mettre cela en noir, en argenté et du doré. C'est super, très joli pour le rangement, les filles. On peut la mettre dans la salle de bain, cuisine. C'est 2,49€. C'est 24 par 18 par 10 cm de profondeur. C'est ça qui est coloré, regardez-moi ça. On dirait la faïence, la vaisselle chinoise, non? La matière comme ça, c'est brillant, c'est lisse. On a bleu, il y a aussi vert, gris et orange. Vous vous rendez compte, je l'ai montré plusieurs fois. Je viens de voir qu'il y avait deux motifs. Mais c'est abusé. On a ce motif-là. Voilà. Et il y a aussi ce motif-là. Voilà. Ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Et c'est 99 centimes, les 11,5 cm. Allez, on va voir l'autre côté, là. Ah non, ça on a déjà vu. Ah oui, ça les filles.
je vous ai montré ça, vous avez kiffé la vidéo, là. Franchement, abusé, franchement, vous avez kiffé ces pots. Moi aussi, j'aime beaucoup. C'est en vert avec des motifs comme ça en blanc. Et ici, c'est marqué stockage. On a aussi kitchen et home avec le couvercle store de zinc comme ça, argenté. Le pot, il fait 800 ml et c'est 2 euros. J'arrondis. Hein. On a avec ces feuilles-là. On a aussi celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci, elle est sans texte. Regardez. Sans texte, les filles. Et celle-ci avec des petits cœurs marqués kitchen. On a celle-ci avec les cœurs, celle-ci avec des petites feuilles comme ça, sans texte. On a aussi cet imprimé-là et cet imprimé-là. Très, très chouette. C'est hermétique. Hein. 2 euros. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas de nouveauté. 38 centimes. Ça, c'est bien pour les sauces. Côté saison, je voulais vous montrer, remontrer ce que j'ai montré hier. L'arrivée et le retour, c'est un retour, c'est pas une nouveauté. C'est des gobelets pailletés. On a du rose fuchsia, du bleu, du vert, de l'argenté et du doré. Hier, je vous ai pas montré le doré, il était plus disponible. Ça part très vite. Hein. Il faut juste demander la paille à la caisse. 3 euros le gobelet de 450 ml. Il y a aussi ces pots. Il y a une abonnée qui m'a envoyé un message. Elle m'a dit, Linda, je préfère cela avec la dentelle. Et je t'embrasse très fort. Merci pour ton avis. C'est combien ? 2,59. Donc avec des motifs dentelle. C'est en acrylique, c'est en plus hermétique. C'est tout transparent, j'aime beaucoup. Même si vous avez un grand tiroir, les filles, vous pouvez essayer ça. Et vous pouvez voir ce que vous avez mis. C'est 1 litre. J'ai chopé une petite pépite en nouveauté, les filles. À tomber par terre. Trop beau. En fait, c'est rayon plante. Plante artificielle, si vous ne trouvez pas. Rayon plante, vase, etc. À 2,99€. C'est un pulvérisateur de plantes en verre, coloré, mais je pense qu'on peut faire des trucs avec. Je dis rien. Regardez-moi ça, c'est doré et en verre. On a cette couleur-là, les filles. On a aussi ce joli bleu-là, vert et blanc. Pour arroser les plantes, vous mettez de l'eau. Vous faites comme ça. Ouais, c'est un truc chic. On met le doigt. Je sais comment on fait. Ah d'accord, on met comme ça. Et on arrose les plants, les fleurs. Il faut avoir le temps quand même. Hein. Et là, mais c'est trop beau. 2,99€. Les filles, moi je pense que je vais prendre un et je vais voir ce que je peux faire avec. Et sûrement pas arroser les plantes avec. Je sais pas comment on peut l'ouvrir. Je pense que ça se dévisse tout simplement, comme ceci. Je vous montre le système. Voilà. À côté, il y a ça aussi qui est super chouette. Regardez, c'est trop beau. Il est magnifique ce vase. Cette couleur-là, on a aussi du vert et du blanc. Et c'est tout. 1,63€. Là, c'est 1,19€. Pour cette petite merveille en gris ou en blanc, rond ou carré, c'est en plastique. Hein. 1,19. On a ça à 3,19. C'est en céramique, ça aussi c'est en céramique avec des jolies fleurs. 3,99. Et là c'est 3,99 aussi pour les pots en ciment avec de la lavande. Là c'est 7,99. Panache 5,99. Bambou 6,99, 50 cm, et là c'est 60 cm avec le pot en plastique blanc ou noir. C'est une plante artificielle, il y a palmier, il y a aussi ce modèle. C'est 9,95€, 60 cm. On a aussi des orchidées en disponible en rayon. Et ça coûte 14, je pense, 14,95€. Je vous ai montré qu'il y avait le retour des feuilles en doré ou en noir. 8 poches en aluminium, 30 par 15 à 3,62€. On a ceux-là aussi en argenté ou noir, c'est aluminium aussi. 28 par 26, 3,99€, les filles. Sinon, et ces plateaux avec pied, boîte banguier, 7,95€ et c'est 39 cm. Il existe aussi en noir, les filles. Ouverture de la caisse 6, s'il vous plaît. Ouverture de la caisse 6, merci. Armoire à clé. Là, c'est en bois ou MDF, 6 crochets. Existe avec le bord comme ça noir. Il y a aussi blanc normalement.
mais les restes que du noir. C'est 30 par 20, 4 euros. On a aussi ici, justement pour les clés, ce vélo avec des crochets ici, à 4,69 euros, 31 par 23. Il existe en doré ou noir. On a cette boîte de rangement avec des jolis motifs. Bois de manguier, c'est 12,5 par 6, 2,49. Les étagères blanc et noir sont de retour. Hein. Étagères de photos, ou bien planches photos. Elles font 77 de longueur par 10 à 6,69 euros. On a blanc-noir. C'est ça que j'ai mis dans ma salle de bain. En dessous de le miroir. J'aime beaucoup parce qu'il y a un petit bord ici. Le matin, quand je me maquille, je mets toujours mon téléphone comme ça. Et je regarde des vidéos sur TikTok, etc. J'aime bien. Donc il est blanc et sympa. Quand j'ai montré ma salle de bain, quand je montre, quand je teste des produits de chez Action dans ma salle de bain, etc. Des fois, je montre cette planche sans faire exprès, je le montre comme ça. En fait, la peinture s'est décollée un petit peu. Il y a des endroits où la peinture commence un petit peu à se... Voilà, ça fait un effet vieilli. Il y a une abonnée sur ma deuxième chaîne qui m'a dit « Il faut juste donner un petit coup de peinture sur l'étagère. » Je dis « Non, je compte pas mettre de peinture sur... Je laisse comme ça, mon étagère, elle me plaît comme elle est. » Et ça me dérange pas. Voilà. Désolée pour l'alarme. On a aussi ces boîtes à bijoux avec pompons fond miroir, en doré ou en noir. 4,98 euros. Je suis sortie pour vous dire au revoir parce qu'ils ont déclenché l'alarme. C'est horrible. Voilà, donc j'ai dû couper, j'ai pas le choix. Mais sinon, j'ai fait le tour, il n'y avait pas grand chose. Voilà, donc je vais faire un petit tour ailleurs. Si je trouve des petites nouveautés, peut-être à CA ou à BM, je vais voir. En tout cas, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi, maximum de partager les choupinettes. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai postée ce matin, on est mercredi matin. Promotion de la semaine. Je vous mets ça ici. Il y a un carré qui va apparaître juste ici. Cliquez dessus, vous allez tomber sur la vidéo de ce matin. Bonne journée.